Et oui, du coup, on vous en parlait aujourd'hui, formule un petit peu spéciale, vous n'aurez pas tout de suite vos matchs. Alors ne vous inquiétez pas, en fin d'émission, vous retrouverez un match Call of Duty et un match Overwatch League qu'on vous a sélectionné, qui sont bien au chaud, bien préparés pour vous et qui sont extrêmement bons. Enfin, c'est des très très gros matchs qu'on vous a sélectionnés. Mais avant ça, on va parler ensemble de différents sujets. On va avoir, un petit peu comme on l'a dans l'actu de la semaine, 3 minutes cette fois-ci par sujet. Et on va commencer tout de suite avec le premier. Il s'agit de League of Legends. League of Legends, bah, ça continue, hein, c'est un petit peu... C'est une des lumières qu'on suit, League of Legends, comme CSGO, c'est un peu les deux grands pontes de l'e-sport. Et cette année, c'est une énorme nouvelle, c'était les performances européennes lors des championnats du monde de League of Legends. Eva, tu peux nous en dire un petit peu plus. C'est ça, la scène européenne a plus brillé que jamais sur League of Legends cette année. Parce que par exemple, on a eu la première équipe européenne en finale des mondiaux. Et c'était statique, on peut s'applaudir, bravo, incroyable. C'était pas arrivé depuis 2011, donc la saison 1, donc c'était d'ailleurs Fnatic aussi. Ouais, ça, l'histoire se poursuit. La boucle est bouclée. Ouais. C'est bien, c'est bien. Mais c'est pas tout, on a eu 3 équipes européennes, elles ont tous brillé pendant le championnat. On a Vitality qui est arrivé là où... Ne rappelez pas, à chaque fois qu'on va voir Vitality ce soir. Ou qui est arrivé là où personne ne les attendait, puisqu'ils ont battu déjà les favoris du tournoi RNG, qui avaient tout remporté pendant la saison. Et ils ont aussi battu les champions du monde en titre dans leur groupe. Et ils ont, malheureusement, ils ont failli se qualifier en quart, mais ils n'ont pas réussi à la dernière au dernier match. Et ensuite, on a eu G2 qui arrivait jusqu'en demi-finale. Et après, les meilleurs, donc Fnatic, qui sont arrivés en finale. Mais malheureusement, ils ont perdu contre les Chinois d'Invictus Gaming. Qu'ils avaient gagné en poule en plus, c'est ça qui est dur. C'est ça. Et c'était encore plus dur à voir parce que c'était le match de finale de mondial le plus court de l'histoire de LoL. Ah. Parce qu'ils ont perdu 3-0 et c'était un énorme stomp en fait. Ils sont vraiment fait dominer de A à Z. Donc c'était assez un goût amer en fait pour nous, les Européens. Et puis surtout pour Riot qui, comme à son habitude, organise des grandes finales avec une grande cérémonie, un stade entier, et puis 3-0. Ah, il n'y a pas que, c'est un peu tout le temps pareil. Quoi. Dès que ça s'est ressenti cette année. La compétition est géniale, et dès que tu arrives sur la finale, tu t'attends à une apothéose, et en fait, ça tombe un petit peu. C'est toujours assez déséquilibré. Mais là, on est vraiment passé du plus haut au plus bas, parce que c'était la première fois qu'on avait une équipe européenne. Il y avait vraiment les fans, même les fans sud-coréens, soutenaient Fnatic parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient gagner. Au final, ils sont vraiment fait défoncer. Alors, c'était les favoris, limite. Ouais, donc, ça a été un petit peu compliqué pour eux. En tout cas, la finale qui n'était pas facile. Messieurs, League of Legends, c'est quoi pour vous cette année? C'est quoi pour vous en règle générale? League of Legends, c'est un jeu déjà très compliqué à suivre si tu ne joues pas. Tu n'as jamais joué de ta vie, Mais c'est un jeu très, très, très intéressant quand tu connais. Franchement, je pense que c'est un jeu qui me passionne énormément. Tu as beaucoup joué, toi? J'y joue beaucoup. Mais pour avoir un très haut niveau, il faut vraiment se la donner. Mais c'est un jeu que j'aime, j'adore suivre. Et quand il y a les Worlds, je suis tout le temps scotché devant. Et je trouve que le niveau des joueurs est exceptionnel. Quoi. Qu'est-ce que vous pensez de la performance là, européenne en particulier sur cette année? Bah, c'est une grosse avancée quand même, les Européens qui n'ont jamais été à ce niveau de jeu-là. Est-ce que ça peut venir peut-être des Coréens, par exemple, qui sont venus en Europe, qui sont venus aider, apporter leur expertise, beaucoup plus d'encadrement, les coachs, tout le staff derrière les équipes qui commencent à être de plus en plus importants. Et même, je crois que les Nord-Américains ne se sont pas trop mal sortis aussi lors de cet événement-là. Ils ont surpris également. Donc ça montre quand même qu'on arrive à avoir un bon niveau en Occident. C'est quand même pas mal du tout. Donc il faut continuer parce qu'on a bien vu que les Coréens sont battables et les Chinois nous l'ont montré, les Européens nous l'ont montré. Donc il faut continuer sur cette voie pour les Européens, essayer d'aller rechercher les tops et que ce soit pas allez une fois en 7 ans ou 8 ans, il faut que ce soit tous les ans tout simplement. Et puis l'année prochaine, c'est l'année où il faut qu'ils réussissent parce qu'on aura la finale à Paris des mondiaux. Donc c'est là où il faut qu'ils gagnent. D'ailleurs, si vous cherchez un chauffeur de salle, je suis à disposition. L'écart se resserre et c'est vrai sur plusieurs jeux entre les Coréens et le reste du monde, on va l'appeler comme ça, honnêtement, parce que on le voit sur plusieurs compétitions, sur plusieurs jeux, on rattrape petit à petit. Alors certes, on ne gagne pas toujours à la fin, mais on arrive quand même à monter de niveau, on acquiert de l'expérience et on y arrivera peut-être à la fin. Mais en tout cas, LoL, c'est là depuis très très longtemps maintenant. Ouais. Et au début, les Européens étaient très très performants. Les Coréens sont arrivés. Maintenant, on reprend un peu du poil de la bête, ça fait plaisir. Ah, puisque bien, c'est que vous, chez vous aussi, vous êtes peut-être des anciens joueurs de League of Legends comme nous. Vous avez commencé il y a 4 ans, il y a 3 ans, il y a 2 ans, vous avez arrêté ensuite en cours de route, mais vous continuez à suivre les finales parce que voilà, au gaming qui fait quasiment 100 000 viewers instantanés, en sachant qu'il y a encore des viewers français qui regardent aussi le stream international, ça veut dire qu'il y avait plus de 120 000, à mon avis, personnes qui regardaient en direct la finale de League of Legends. C'est quand même assez incroyable. Et c'est surtout un très bon exemple à suivre en termes d'e-sport parce que, ben voilà, il y a cette ligue européenne et il y a toutes les ligues qui sont créées dans le monde pour finalement faire un grand championnat du monde. À la fin, League of Legends, clairement, quelque chose à suivre. C'est un très bon exemple pour l'e-sport. Un autre exemple qui est très très bon pour l'e-sport, mon cher BRK, c'est toi qui vas nous en parler. C'est CSGO et c'est notamment la réussite de l'équipe qu'on a suivie un petit peu en fin d'année 2018, Astralis. Les Astralis, clairement,
les kings, tout simplement, de Counter-Strike en 2018. Ils ont remporté 7 tournois, il me semble. Oui, c'est ça, 7 tournois en 2018 avec plus de 3 millions de cash prize remportés par cette équipe. Rendez-vous compte, c'est quand même quasiment plus que toutes les équipes Call of Duty qui ont gagné cette année quelque chose. Donc rendez-vous compte, en une année, eux, ils ont réussi à gagner tout simplement plus de 3 millions de dollars. C'est ultra impressionnant. Ils ont des joueurs absolument fous. Ils sont tous danois, ils ont recruté, ils ont fait des petits changements. Regardez, là, on voit par exemple Dupri qui a réussi à faire de grosses actions. Il y a pas mal de choses qui se sont passées lors de ces événements-là. On va revoir Dupri justement après, mais c'est voilà, une équipe avec énormément de talent. Ils ont remporté les deux plus grosses ligues justement sur CSGO, avec notamment l'ESL Pro League et les ECS. Ils ont réussi à remporter les deux plus grosses ligues, donc c'est quand même pas mal du tout. Ils ont gagné un tournoi avec... où ils n'ont même pas eu à jouer, en fait. Ils ont remporté 4 majors cette année, donc ils ont remporté un tournoi avec... 1 million de cash prize, c'est le Intel Grand Slam, il me semble. C'est ça, exactement. Si c'est une espèce de récompense. Si tu gagnais X tournoi de ESL, tu pouvais gagner ce Grand Slam, et eux, ils l'ont fait. Voilà. Un petit million de dollars, comme ça, dans la poche, pour les 5 joueurs et leur staff. C'est justement, on en parlait un petit peu avant aussi, c'était en termes de staff, en termes de coach, on est passé clairement sur une autre planète pour cette équipe d'Astralis, parce qu'on a des nutritionnistes, des psychologues, des gens qui ont fait énormément d'études pour encadrer cette équipe-là. Les coachs sont aussi bien payés que les joueurs. Enfin voilà, on passe vraiment sur une autre atmosphère, une autre planète, clairement, pour cette équipe d'Astralis. Et on peut voir clairement que c'est en train de très bien fonctionner. Ils rejoignent par exemple comme Fnatic ou NiP par exemple comme équipe de légende sur CSGO. Et donc on en parle, du coup c'est parti pour le compteur, on a 3 minutes pour parler de CSGO. C'est un exemple incroyable, Astralis, le succès de cette équipe, comme tu le dis, il y a des dizaines de gens qui sont derrière eux. Est-ce que vous pensez qu'on va arriver à un moment où ce qui est derrière l'équipe va être quasiment aussi important que l'équipe en elle-même? Je pense que c'est déjà le cas. On va avoir un niveau comme ça, c'est vraiment que tout fonctionne à l'intérieur de cette équipe, et je pense qu'ils sont très très bien encadrés, et puis même entre eux, je pense que les mecs, c'est les meilleurs potes du monde, quoi. Honnêtement, je le vois comme ça, après chacun a son opinion, mais je le vois quand même comme le talent brut, c'est les joueurs, donc eux, ils ont les mécaniques, ils ont une vision de jeu, etc., mais derrière, s'ils n'ont pas tout le staff, ils vont être 10 fois moins performants, parce qu'ils vont être mentalement plus faibles, ils vont être physiquement peut-être moins en forme, on en parlait tout à l'heure. Naturellement, tu ne vas pas forcément aller faire du sport, donc tu n'as pas la même condition physique, etc., la concentration. Si tu manges mieux, tu es mieux dans ton corps, etc. Enfin, tout va pour que les joueurs aient de meilleures performances. Et sans ça, tu es juste bon, mais tu es bon tout seul chez toi. Avoir une vraie équipe, il faut avoir un entourage. Est-ce que vous êtes d'accord aussi pour dire que peut-être CSGO, c'est l'e-sport qui se rapproche le plus du sport, dans le sens où ça fait 20 ans qu'on joue Dust 2, donc la carte principale que tout le monde joue sur CSGO, et encore aujourd'hui, les gars, ils s'enferment à 5 dans une salle, ils ressortent au bout de 2 heures et ils ont une nouvelle stratégie. Ça fait 20 ans qu'on joue sur la même carte, mais j'ai envie de dire, ça fait combien d'années qu'on joue sur le même terrain de foot? Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est que on est un peu dans ce schéma où finalement, ça a toujours existé, mais c'est pas pour autant que ça n'évolue pas. Ouais, c'est des génies, quoi. Non, mais en vrai, il y a un mesure. Ce qui est de la stratégie, ça devient de plus en plus important chaque année, justement, sur CSGO. Et les analystes aussi sont tout aussi importants pour aider l'équipe à comprendre les failles. Ouais, c'est ça. Ouais. Parfois, c'est vraiment la stratégie unique à niveau égal de mécanisme. C'est la stratégie qui va faire qu'une équipe va gagner. Et sur CSGO, il y a tellement d'analystes qu'une équipe ne peut pas garder tout le temps la même stratégie. Donc, elle est obligée de s'adapter au fil du temps. Et c'est comme ça que ça se développe, en fait. Ça ne s'arrête jamais. Il y a l'entraînement aussi de l'équipe, mais il y a aussi l'entraînement contre l'équipe contre laquelle tu vas jouer. Et c'est ça qui devient pratiquement primordial maintenant. C'est OK, eux, ils vont plutôt jouer dans ce style-là. Ouais. Donc, nous, on va les contrer en faisant plutôt ça, quoi. C'est ce que j'allais dire. Il y a certaines équipes qui vont avoir un tel type de jeu. Donc, on va jouer un autre style de jeu face à eux, mais on ne le fera pas par rapport à d'autres adversaires. Enfin, voilà, c'est très, très technique et c'est vraiment excellent. Ça devient vraiment très proche du football et d'autres sports comme. Dire aussi que c'est un peu le côté, peut-être pas la Rolls-Royce, mais que c'est ce côté, c'est le plus bel e-sport parce qu'il touche tout le monde, même si malheureusement il y a ce problème de PEGI 16, de terroriste, antiterroriste, qui est le gros souci parce que voilà, on veut pas le passer dans les grands médias parce que ça peut être un peu problématique. Mis à part ça, je veux dire, quand tu connais pas l'e-sport, autant League of Legends c'était pas facile à comprendre, autant CSGO, faut vraiment être stupide ou vraiment pas vouloir pour pas comprendre. Déjà, ils ont le mode de jeu, que dans tout le monde, la base du FPS, quoi, la recherche de destruction, et puis le jeu surtout, il a 15 ans, quoi. Ouais. Et c'est il y a encore des trucs à 3 millions et tout, c'est fou. C'est incroyable. Ils ont essayé le mode Battle Royale. Bon, ça, c'est pas forcément leur domaine, je pense. On les pardonne. Voilà. C'est ça. Il nous reste plus beaucoup de temps pour en parler, donc on va pas en parler. Merci beaucoup à CSGO, en tout cas, pour cette année incroyable d'e-sport. C'est parti pour la petite action. C'est Dupri, je crois, qui fait quelques kills. C'est ça. Bah ouais, c'était à la DreamHack Masters de Stockholm. Il était justement, il me semble, en demi-finale. Donc on va le revoir, Dupri, qui était là sur une carte qu'on appelle Mirage. Il a déjà fait 2 kills sans qu'on soit sur lui. Mais regardez, il y a 14-12 sur 7.
16. Il faut arriver à 16 points. Regardez là, ce gros kill, on va le revoir au ralenti. C'est absolument excellent de la part de Dupri. Et là, grâce à ça, il va relancer toute son équipe. Donc individuellement, on en parlait, les talents bruts. C'est incroyable ce qu'il nous propose, c'est Astralis. 5 sur 5. Je suis pas très content pour le petit clip là. Il a fait ça sur Mega Sûr. Il a fait ça sur Mega Sûr. Et toi, t'es Forest, c'est ma Forest, c'est la famille. Retour là, c'est la famille. Bon, en tout cas, voilà, grosse année pour les Astralis. Et je pense que Dupri, comme tous les autres joueurs, ont pu tout simplement prouver leur talent. Et je trouve que la scène CSGO est de plus en plus, continue à tenir la route et extrêmement suivie. On va parler maintenant d'un e-sport dont on parle très peu, malheureusement, en France. Tout simplement, car, mis à part le gros event de l'année, c'est vrai qu'on n'est pas trop friand. League of Legends a un petit peu pris la place de ce MOBA en France. Il s'agit de Dota 2, un jeu qui est très, très répandu en Chine, en Russie notamment. Et on va parler du tournoi, le tournoi de l'année. Il s'agit tout simplement de The International. Pour la petite histoire, c'était le tout premier tournoi e-sport à mettre 1 million d'euros dans le jeu vidéo. Il y a de ça près quasiment 10 ans maintenant. Donc autant vous dire que clairement, ils ont fait comprendre au monde entier que l'e-sport, ça pouvait valoir de l'argent. Et cette année encore, c'était un énorme événement, Eva. C'est ça, même sans suivre le jeu, The International, on ne peut pas passer à côté chaque année. Et cette année, c'était encore une fois encore plus gros que toutes les autres années, puisque il y avait le cash prize le plus important de l'histoire de l'e-sport qui était 25 millions de dollars. C'est exactement ce qu'a gagné Broken depuis sa naissance. 25 millions de dollars. Et 11 millions pour les gagnants, donc un petit peu de pression quand même. Et mais bien. Ouais, c'est 11 millions à 5, plus le coach, on va dire à 6, allez. Et en France, ça a été beaucoup suivi parce qu'il y avait un joueur français dans l'équipe qui était en finale. Donc c'est Fucking Mad, c'est-à-dire Sébastien Debs, qui était chez OG. Et ils n'étaient pas les favoris. Et ils jouaient contre OG, LGD en finale. Et au final, c'est eux qui ont gagné alors qu'ils n'étaient pas du tout partis comme favoris. Et c'est encore plus une success story parce que l'équipe n'était pas du tout bien partie au début de la saison, puisque Fucking Man a dû passer de coach à joueur et en plus changer de poste en tant que joueur. Donc c'était un double défi pour lui. Et en plus, ils n'ont pas eu de chance puisque à la veille d'un tournoi majeur en juin, et à 2 semaines des qualifications régionales du tournoi mondial, il y a deux joueurs qui sont partis sans prévenir comme ça. Ils ont dû les remplacer sur le tas, en fait. Ils ont quand même réussi à se qualifier. Ils sont passés par le tournoi Open où il y avait énormément d'équipes. Il y avait 1024 équipes, il y a écrit. Voilà, c'est ça. 1024 équipes, ouais. Ça fait quelques joueurs. Et au final, ils ont réussi à gagner le tournoi le plus important de l'année, voire de leur carrière de joueur, en fait. Ouais. Et le français Fucking Mad, c'est le premier français à être titulaire du championnat du monde depuis le début de Dota 2. C'est la première fois qu'on a un français qui gagne simplement. Alors c'est parti pour le chrono, on va pouvoir parler de Dota 2. Alors Dota 2, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, on passe à côté, nous, en tant que e-sport, parce qu'on ne voit pas au fur et à mesure d'année. Par contre, voilà. The International, c'est l'événement. Là, on a une success story qui est incroyable. On a quand même, comme tu viens de le dire, 3 joueurs qui se sont séparés de 2 joueurs qui battent ces 2 mêmes joueurs dans la compétition. Donc, ils les ont battus. On a vu, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une poignée de main un petit peu salée à un moment. Ouais. C'est tout simplement le gars qui a dit « J'aurais peut-être pas dû vous quitter ». Et derrière, ils passent de 1024 équipes. Ils vont gagner contre l'équipe LGD qui s'était associée avec PSG, donc qui avait une belle image en France aussi parce que c'était PSG-LGD. Ils gagnent. C'est une success story complètement incroyable, messieurs. Magnifique, il n'y a rien à dire. Franchement, t'as 3 minutes. Dota, ils mettent les moyens. Bon, on le voit avec les cash prizes, etc. Mais même en termes de mise en scène et tout, ça a toujours été assez exceptionnel. Alors oui, on n'a pas autant de visibilité peut-être en France ou en Europe, mais c'est des grosses compétitions. Le niveau de jeu, on mettait un petit peu en opposition avec League of Legends. Il y a toujours ce débat. Hein. Quel est le vrai MOBA finalement? Est-ce que c'est LOL un peu plus simpliste ou est-ce que c'est Dota? Heroes of the Storm a quitté la partie d'ailleurs. Ouais, Heroes of the Storm left the game. mais ouais, Dota, ça a été toujours un petit peu pour les mecs hardcore gamers du MOBA parce qu'il y a plus de stratégie, il y a plus de. Il y a le deny de la stit, etc. Ça, c'est le fait que tu, à la place de faire que le dernier coup sur les petits minions pour gagner de l'argent, tu peux aussi tuer tes propres minions pour empêcher les adversaires de les prendre. Donc, ça, c'était une petite dynamique qui n'existe pas sur League of Legends. Ce débat, est-ce que Dota est mieux que LoL? Est-ce que LoL est mieux que Dota? Et au final, au mondial, en France, en tout cas, les deux communautés sont un peu rassemblées pour pouvoir suivre justement Fucking Man. C'était vraiment intéressant. Ouais, c'est bien. Bah, c'était pas mal du tout. Et petite pensée aussi à Luciano et son équipe aussi qui le retransmettait en français, il me semble. C'est ça. La Frog TV, tout à fait. Bah, moi, personnellement, qui comprends rien à Dota, bah, les suivre en français, au moins j'ai pu comprendre quelque chose. Donc, t'as reconnu Funka, t'as fait attends, je le connais, lui, j'ai déjà vu dans une émission. J'ai déjà vu, émission. Autour de la table. C'est pas un dead game, il est pas sur un dead game. Mais voilà, en tout cas, ça fait plaisir que même en France, grâce aussi à Fucking Mad, il y a eu beaucoup d'engouement et tout ça. C'est pas mal pour un aussi gros jeu e-sport quand même. Alors, justement, un gros jeu e-sport, un jeu en tout cas qui a également son cash prize participatif. Ça, je voudrais qu'on en parle un petit peu parce que voilà, c'est pas forcément le cas pour toutes les compétitions. Par exemple, Overwatch ou Counter-Strike, il y a l'argent, point. Là, ils ont un cash prize de base qui était d'une valeur, je crois que c'était 10 millions, 20 millions, je vais pas me tromper. Et après, c'est les gens
qui, dans le jeu, achète un skin en particulier qui va directement aller à ce cash price global de The International. Et c'est comme ça qu'on en arrive aussi pour Dota 2 et pour Valve à un cash price de 25 millions, 25,5. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas un chiffre rond, c'est parce que c'est les gens qui donnent jusqu'à ce que ça s'arrête. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui devrait se développer, le cash price participatif pour les gros, grosses compétitions? Moi, j'ai toujours voulu que ça se passe pour Call of Duty. Parce que, Call of parce Duty, que tu voulais plus d'argent. Non, mais déjà, de base. Ah ouais, mais moi, j'ai. Moi, j'ai sujet sensible. Non, mais Call of Duty, je trouve que c'est un des jeux. Bah, franchement, c'est peut-être le jeu le plus populaire au monde. C'était l'un des jeux les plus populaires. Call of Duty. Et puis, s'il y avait un crowdfunding, tout le monde, toute la communauté a toujours été très chaude pour avoir un crowdfunding. Ça nous aurait pu avoir des tournois extraordinaires. Et ouais, malheureusement. Et malheureusement, c'est la fin. Et malheureusement, ça ne sera pas le cas. Mais en tout cas, on a quand même envie de savoir et on verra si d'autres jeux se prêtent à cette pratique du cash prize participatif. Maintenant, on va terminer du coup avec notre quatrième news. Alors forcément, on va parler de StarCraft 2. Donc vous avez une minute de moins. Hein. Désolé, FNK et Coca, mais vous avez un jeu décédé. C'est faux, c'est faux. Les audiences de StarCraft ont augmenté cette année et ont bel et bien augmenté. Et c'est notamment dû à une success story qu'on a également suivi sur eSport Zone, c'est Chetwan qui va nous en parler. Ouais, c'est StarCraft. Tout le monde connaît StarCraft, même si on taunte beaucoup StarCraft, ça reste quand même un jeu légendaire. Et on voit ce jeune Finlandais de 20 ans qui a du mal avec les bouteilles de champagne, mais qui n'a pas du tout de mal dans le jeu. Vous le voyez ici, Serral, le joueur Zerg, qui a littéralement atomisé le championnat cette année. Il a gagné les 4 majors, les WCS. Il y avait 4 phases, il les a toutes les 4 gagnées. 3 contre des Protoss, il me semble, et 1 contre en Zerg. Et finalement, il a gagné le WCS global contre l'ami Stat. Donc un grand monsieur qui a mis d'accord tout le monde. Il a battu les Coréens. Là, les champions du monde, regardez son sourire quand même. Yes, là yes, c'est l'émotion. Je suis fort. Non mais il est extraordinaire quoi. Franchement, ouais. Il est extraordinaire. C'est le seul à avoir accompli cet exploit finalement. Ouais, clairement. Et bah, du le coup, seul c'est le foreigner comme on dit, donc non coréen ou étranger finalement à remporter autant de championnats en une seule année, c'est assez monstrueux quoi. Alors qu'est-ce que vous en pensez justement, un jeu du coup StarCraft 2 qui, on va lancer le timer maintenant, un jeu qui existe depuis un moment, qui clairement vous avez dû suivre, vous avez dû connaître les débuts d'YouTube avec Confetude, avec le lancement d'O Gaming par la suite. StarCraft 2, c'était un jeu phare, c'était un jeu qui a poussé l'e-sport vers l'avant, et aujourd'hui de se dire que les audiences réaugmentent, qu'est-ce que ça veut dire pour vous et qu'est-ce que vous pensez également du parcours de Serral? Est-ce que ça a aidé à réhyper un petit peu, à relancer la hype autour de StarCraft 2? Bah pour moi, déjà pour les hardcore gamers, je pense que c'est très bien que les audiences augmentent parce que c'est un jeu qui a beaucoup parlé de lui. Et puis, j'aurais jamais cru qu'un jour, qu'un foreigner remporterait autant de tournois, la WCS et autant de tournois de suite contre les Coréens qui pour moi c'est leur jeu quoi. Genre, c'est un peu le dernier jeu de stratégie en plus vraiment RTS brut. Et puis c'est du 1v1, c'est pour moi là, que les Coréens sont imprenables, donc c'est incroyable le niveau de jeu qu'a Serral, et franchement ouais, c'est manga sûr quoi. Et il a 20 ans, il a l'âge du jeu. Exactement, c'est fou ça. Il est né au moment où StarCraft Brodoir est sorti, c'est impressionnant. Maintenant il éclate tout le monde, c'est du génie franchement. Vous en pensez quoi, vous deux, de StarCraft 2? Vous avez un petit peu suivi, j'imagine? Oui, bah là, c'était obligé, en fait. Il y avait un peu tous les espoirs étaient portés sur lui, justement, pour le tournoi mondial, parce qu'il avait déjà gagné quelques compétitions avant. Mais je pense que les gens n'y croyaient pas vraiment, parce qu'ils se disent, de toute façon, les Coréens, c'est les meilleurs. Et au final, il a réalisé l'impensable en arrivant à les dominer, quoi. Moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il habite dans un petit village, on m'a dit, sais pas avec qui il s'entraîne, en fait. Bah, il s'entraîne avec les gars qu'on a reçus sur le plateau d'eSport Zone, rappelle-toi. Oui, c'est vrai, il s'entraîne avec des gens qu'on a reçus. C'est très grave. Surtout que lui, il ne peut pas s'entraîner contre les Coréens, c'est ça le truc. Il ne peut pas jouer contre les meilleurs joueurs du monde. Il fabrique son propre internet. Avec de l'alcool de patate. Il arrive à faire un espèce de mixture. En tout cas, Serral qui clairement fait le travail et c'est juste incroyable. Et je pense que sa success story, comme le jeu, je pense qu'il mérite d'être suivi. C'est un jeu qui, une fois que vous jouez un petit peu, est très très sympa à suivre. Et le crew au gaming est exceptionnel aux commentaires. Et ben voilà, on a fait le tour de cette année 2018. Ça vous a plu? Vous avez tous été très bons. Top, vous avez c'était une belle année. C'était une belle année quand même. Une belle année. Une belle année, surtout, des surprises. Surtout d'ailleurs, on n'a pas fait Adrien News, mais eSport Zone a été lancé et recommandé pour l'année suivante. Ça, on peut s'applaudir quand même. Parce que des émissions de télé qui coulent en 6 mois, on en connaît. Et bah pas nous, on est là toujours. Et c'est grâce à vous. Donc merci beaucoup de nous suivre. Merci Cyril. Luthi, pardon. Merci beaucoup à vous. On espère que vous passez des bons moments avec nous.